Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 5 novembre 2019. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un excellent interview de François Bouleau par la chaîne Spoutnik, mise en ligne le 18 octobre 2019. Excellent interview, tout d'abord, je ne partage pas nécessairement la ligne éditoriale de la chaîne Spoutnik, me semble-t-il, mais je pense que même si nous avons des différences politiques, c'est une chaîne qui reste honnête dans ses propositions, dans ses analyses et dans ses interviews, dont celle-ci, cette interview que je vous propose aujourd'hui. Interview très bien menée, très bien réalisée. Je ne connais pas du tout le journaliste, mais chapeau bas pour son travail. Des questions pertinentes sur le fond, un temps de réponse accordé normal et une qualité dans la forme et dans le fond que l'on ne trouve plus dans les grands médias qui sont aujourd'hui des médias de propagande. Donc vraiment, chapeau bas à Spoutnik et aux journalistes en particulier pour cette interview. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais passer des extraits de cette interview et je vais réagir à ceci parce qu'il me semble que François Bouleau, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et de sympathie, même si je peux avoir quelques petites différences peut-être sur les analyses ou peut-être le but, ou peut-être pas nécessairement le but, mais la façon d'arriver à ce but, et le but étant la démocratie, me semble-t-il. Le pouvoir d'autodétermination du peuple français sur sa destinée, sur son présent et sur son futur. Mais voilà, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître lors du mouvement des Gilets jaunes. Mouvement des Gilets jaunes qui n'est pas terminé. J'entends souvent dans les médias qu'on en parle au passé et ça ne me plaît pas du tout parce que ce mouvement perdure, continue et il a tout mon soutien. Je soutiens tous les Gilets jaunes. Je suis moi-même Gilet jaune, même si je suis ici au Japon. Donc, pour revenir à François Bouleau, beaucoup d'admiration pour lui. C'est quelqu'un qui a une parole saine, structurée, claire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est, je pense, respecté par les Gilets jaunes. Donc voilà, beaucoup d'admiration pour François Bouleau. Et donc, sans plus attendre, voici mon analyse de cette interview qui fait, je pense, plusieurs fois référence à ce que j'essaie de partager sur ma chaîne, à savoir les thèmes de la démocratie, sur le libéralisme, etc. Donc, tout de suite, premier extrait. Ah, j'aimerais que l'on parle d'un point que je pense très intéressant. Dans votre essai, vous citez Platon, « La corruption de la cité commence par la corruption des mots ». Vous citez l'exemple de l'adjectif libéral. Plusieurs observateurs, dont le philosophe Michel Onfray, dénoncent une dérive orwellienne de la société sur ce point. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force, hein, des slogans célèbres du roman 1984 de George Orwell. Alors François Bouleau, sommes-nous dans une société orwellienne aujourd'hui? Le gouvernement la pratique ad nauseam. Avec des mots qui sont totalement vidés de leur substance. Vous avez par exemple, j'en ai pas parlé dans le livre, mais la réforme des ordonnances Macron sur le droit du travail. La flexi-sécurité, par exemple. Oui, mais la loi même, c'est encore mieux. La loi, elle s'appelle loi de renforcement de la protection des salariés. Bon. Une loi qui a, par exemple, plafonné le barème des dommages-intérêts en matière de licenciement sans cause réelle ni sérieuse. J'ai donné un autre exemple dans le livre, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi. Bon, chacun a compris que quand vous entendez parler de plan de sauvegarde de l'emploi, vous n'avez pas un emploi de sauver. Hein. C'est qu'on est en train de parler de licenciements économiques et d'emplois qui vont être supprimés. Et donc, pour essayer de faire passer la pilule, on n'a pas d'autre choix pour les gouvernants que d'essayer de modifier le réel. Et donc, on essaye de faire passer, avec des mots positifs, des réformes qui, en réalité, sont extrêmement négatives. La plupart des gens, aujourd'hui, ils ont des lunettes pour voir le mensonge. Et donc, ils voient le mensonge des gouvernants et ils voient le mensonge des médias. Et donc, aujourd'hui, cette langue orwellienne ne fonctionne plus pour une bonne partie des gens. Donc, dans ce premier extrait, on voit le journaliste poser la question à François Bouleau sur le sens des mots, notamment le sens du mot libéral, ainsi que d'autres mots qu'utilise le gouvernement et les médias de masse, et qui, en fait, retournent le sens des mots qui sont des mots positifs, mais en fait qui leur font dire le contraire de leur réelle définition. Et donc il se réfère, le journaliste, puis François Bouleau, au livre de George Orwell, 1984, dans lequel l'auteur dénonce ce qu'il appelle la nouvelle langue, c'est-à-dire l'utilisation des mots pour leur sens contraire, les vider de leur sens, pour aussi vider la pensée, parce qu'on communique et on réfléchit par les mots. Donc si on transforme le sens des mots, eh bien on a du mal à réfléchir, on a du mal à se faire comprendre parce que les uns les autres, on ne va pas comprendre les mots de la même façon, alors que normalement il y a un dictionnaire pour se référer au sens des mots. Et quand on se réfère au sens des mots, on voit bien que le gouvernement utilise des mots à l'envers,
le mot de libéralisme, le mot de démocratie et les autres exemples qui ont été donnés. Et c'est ce que je dénonce dans mon triptyque sur le libéralisme et sur mon autre triptyque de la démocratie. J'essaye de remettre ces mots-là à l'endroit, leur véritable sens, leur véritable signification, et surtout dénoncer le fait qu'ils ont été phagocytés, volés, pervertis par les politiques depuis un certain nombre d'années, et tout particulièrement par Emmanuel Macron. Donc je vous renvoie à mes différentes vidéos sur le libéralisme et la démocratie. Continuons l'interview. En parlant maintenant d'un vaste sujet, l'Union européenne. Alors selon vous, elle est en phase terminale. Vous ne croyez pas au fédéralisme, car selon vous, il n'existe pas de peuple européen. Sur cet autre extrait, ou début d'extrait par rapport à l'Union européenne, là-dessus, c'est une divergence que j'ai avec François Boulot et avec certaines autres personnes telles que les gens de l'UPR, pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie par ailleurs. Mais effectivement, il n'y a peut-être pas en soi un peuple européen, mais tous les peuples se construisent, d'accord ? Donc peut-être qu'à l'instant T, il n'y a pas, pour ainsi dire, de peuple européen, quoique nous ayons beaucoup quand même de points communs et d'histoires communes. Moi qui vis au Japon, je peux voir à la fois la différence évidente entre l'Asie et l'Europe, et aussi justement voir les points communs à travers l'Europe, parce que j'ai vécu au Luxembourg, j'ai vécu un peu en Allemagne, un peu en Belgique et un tout petit peu en Espagne. Donc ce ne sont pas tous les pays d'Europe et je ne suis pas resté très longtemps et je n'ai pas une connaissance extensive de toute la culture de ces différents pays. Mais je vois malgré tout qu'il y a des points communs avec les pays occidentaux et en particulier le continent européen par rapport au reste. Donc il y a quand même des bases communes. Maintenant, un peuple, ça se construit dans le temps. Donc affirmer que la construction européenne n'est pas possible puisqu'il n'y a pas de peuple européen, c'est à la fois faux parce qu'il y a quand même des racines, et faux parce qu'un peuple, ça se construit, et donc le fait de construire une Union européenne participe à la construction de ce peuple européen. Alors, peuple européen qui ne doit pas s'homogénéiser, d'accord, il doit toujours y avoir des différences culturelles, etc. C'est la richesse, justement, c'est ce qui fait la richesse de cette Europe-là. Et puis, autre critique, c'est que je ne suis pas en faveur de cette Union européenne-là. D'ailleurs, en général, quand j'écris des commentaires sur cette Union européenne, je mets toujours le U en minuscule et le E en majuscule. Le E pour européenne et le U en minuscule. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une véritable union. On voit bien qu'en réalité, les peuples sont désunis et que ce projet ne marche pas. Donc, je suis là, par contre, en accord avec François Boulot sur le fait qu'il faille en finir avec cette Union européenne-là. Par contre, là où je serais peut-être en désaccord, c'est que je pense qu'il faille construire une autre Union européenne, peut-être avec moins de pays, évidemment d'autres bases, des bases démocratiques, sociales, environnementales, etc. Et non plus économiques, de libre-échangisme, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est peut-être une différence que j'ai avec François Boulot. Continuons l'interview. Et puis enfin, vous avez aussi une absence de maîtrise de la politique commerciale qui est peut-être le plus gros sujet en réalité sur la question du libre-échange, du marché unique. On a créé en intégrant notamment les pays de l'Europe de l'Est, et si bien qu'on a créé les conditions d'une concurrence tout à fait déloyale. Je rappelle que les traités sont basés sur la concurrence libre et non faussée. Mais elle est totalement faussée, cette concurrence, puisque vous mettez dans un marché unique, sans protection douanière, des économies qui sont tout à fait hétérogènes. Je relève que François Boulot dénonce le fait qu'il n'y a pas de réelle concurrence libre et non faussée, ce que je dénonçais aussi dans une de mes vidéos que je mets en lien. Donc sur la question de la stratégie, en revanche, je pense qu'il faut s'attacher à expliquer toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui on ne peut pas mener une autre politique économique. Et je crois qu'on ne peut pas, en revanche, arriver au pouvoir et après 60 ans de construction européenne, dire Frexit, ciao, nous on s'en va. Il faut en revenir aux fondamentaux. À un moment donné, quand les choses n'étaient pas dans l'intérêt de la France, alors il y avait la politique de la chaise vide. Et donc aujourd'hui, concrètement, ça peut se matérialiser par le fait de ne plus contribuer au budget de l'Union européenne, où nous sommes, nous, contributeurs nets à hauteur de 9 milliards d'euros par an. On peut également envisager de tout simplement d'instaurer des taxes et donc de désobéir délibérément aux traités européens. Et puis, on verra bien ce qui se passe. On verra bien comment les choses bougent. Mais peut-être que l'Allemagne, qui commence à voir son modèle économique entrer qui est en difficulté, peut-être qu'ils comprendront que leur intérêt est peut-être de se couper un bras par un changement des traités européens, mais que si il y a une sortie de la France, alors c'est l'Union européenne tout entière qui explosera, parce que je pense qu'on ne fait pas l'Union européenne sans la France. Et donc, en fait, il faut tout simplement une volonté politique.
Donc par rapport à la stratégie Frexit proposée par l'UPR, qui n'est pas mentionnée, mais c'est évidemment ce parti-là auquel on fait référence dans l'interview, donc je note que François Bouleau n'est pas favorable à cette stratégie. Et de même, je n'y suis pas favorable, peut-être pas nécessairement pour les mêmes raisons. Alors pour François Bouleau, c'est une question de peur instillée dans l'esprit de nos concitoyens. Alors moi, la différence que j'ai avec l'UPR, et je répète pour le parti pour lequel j'ai beaucoup de sympathie malgré tout, c'est que je ne suis pas pour une sortie sèche de cette Union européenne-ci. Qu'est-ce que j'entends par sortie sèche? Je l'ai déjà dit dans des vidéos auparavant, mais c'est-à-dire une sortie sans autre projet d'Union européenne. Ou peu importe le nom qu'on donnerait à ce projet, si c'est pas Union européenne, si c'est autre chose, peu importe. L'UPR propose de revenir à l'état antérieur, qui serait la réelle démocratie, etc., même si je n'escamote pas le fait qu'il propose malgré tout de changer la constitution par la voie du référendum d'initiative citoyenne et pas par une refonte complète de la 5e République, de la constitution de la 5e République. Mais je pense que c'est pas une bonne compréhension de la problématique, puisque même hors de l'Union européenne, la France n'était pas et ne sera pas, en sortant de l'Union européenne, une démocratie, une réelle démocratie. Donc le problème, ce n'est pas simplement de sortir de l'Union européenne. Cette Union européenne-ci est problématique, elle est antidémocratique, antisociale et elle détruit l'environnement. Donc oui, il faut essayer de la changer. Je sais que c'est pas que ce n'est pas un espoir que nourrit les gens de l'UPR, mais je suis sympathisant de la France insoumise, c'est pour ça que je dis ça. Et quand on aura compris, éventuellement, enfin, il y a de fortes chances que ça soit le cas, qu'elle n'est pas réformable, alors dans ce cas-là, on sort de celle-ci pour en construire une autre, pour reconstruire un autre projet fédéral ou peu importe, enfin peu importe, c'est pas peu importe, je veux dire, ça c'est à réfléchir communément, ensemble. Mais voilà, simplement sortir de cette Union européenne pour être seulement la France, alors je dis pas que la France ne peut pas s'en sortir toute seule, pas du tout. Si la France doit revenir, doit redevenir la France simplement avec des accords multilatéraux ou bilatéraux avec d'autres pays comme c'était le cas avant, je ne dis pas que ce n'est pas possible et je ne suis pas contre. La différence que j'ai avec l'UPR, c'est que c'est la construction d'un projet commun à l'Union européenne dans un premier temps, c'est un projet philosophique, c'est un projet de valeur, d'idéal, d'accord ? C'est-à-dire unir les peuples, toujours en gardant leur diversité, leur spécificité, ce n'est pas simplement tout fondre dans un moule, un même moule, c'est simplement avoir... au-delà des accords qui existent avec ou sans Union européenne entre les pays, des accords en particulier commerciaux, il faut faire d'autres accords, des accords d'éducation, des accords d'échange culturel, etc. Mais dans ce cadre d'Union européenne, ou peu importe le terme qu'on aura choisi, mais qui a pour fonction d'incarner cette unité des peuples que l'on veut construire. Et je ne parle pas ici de nouvel ordre mondial, qui est encore une fois une façon, je pense, de dévoyer, de pervertir cette belle idée d'union des peuples. Et en fait, le nouvel ordre mondial, c'est surtout l'union des élites contre les peuples. Je note aussi, malgré tout, que François Bouleau, si j'ai bien compris sa pensée, n'est pas pour le Frexit, mais est pour une... stratégie de résistance par rapport à l'Allemagne, puisqu'il note que la France, si elle devait sortir de l'Union européenne, signerait la fin de cette Union européenne. Donc je pense que là-dessus, par contre, nous nous rejoignons. Je pense qu'effectivement, la France est un acteur incontournable, de l'Union européenne, et nous devons jouer sur ce fait pour changer la direction de l'Union européenne vers une Union européenne démocratique, sociale et environnementale, et nous pouvons peut-être profiter, je suis désolé de présenter ça de cette façon-là, mais de la faiblesse apparente ou de l'essoufflement apparent que connaît l'Allemagne pour justement leur montrer que ce modèle est à bout de souffle, il ne fonctionne pas, et il faut en proposer un autre. Continuons l'interview. Nous sommes en pleine polémique sur le voile. Vous dites que sur les ronds-points de Rouen, vous n'avez pas entendu parler d'immigration ou de religion. C'est un sujet qui semble important pour une bonne partie des Français quand même. Certes, mais le mouvement des Gilets jaunes a eu l'intuition, je dirais, que c'était un sujet extrêmement clivant.
et qui ne concernait pas la raison pour laquelle les gens sont sortis dans la rue. La raison pour laquelle les gens sont sortis, c'est précisément l'injustice fiscale et sociale, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question du baisse du niveau de vie. Je dis un mot quand même de la question du voile, enfin, qui est martelée actuellement dans les médias. On instrumentalise cette question pour faire diversion, justement. Vous avez une actualité extrêmement forte avec Lubrizol, avec l'actualité internationale, j'en ai parlé, de révoltes populaires qui existent, les pompiers qui sont en colère, les personnels soignants également qui le sont. Bon, je crois qu'on agite le chiffon rouge là pour essayer de détourner l'attention des gens sur ce qui reste leur première préoccupation, c'est la question sociale, c'est la question de la répartition des richesses, c'est la question du niveau de vie, du pouvoir d'achat. Le journaliste interroge François Boulot sur la question de l'immigration et du voile. Je traiterai la question de l'immigration dans une vidéo dédiée d'un point de vue d'homme de gauche, mais je ne veux pas évacuer cette question qui est très importante et problématique, je le dis d'ores et déjà maintenant, mais peut-être pas de la façon dont vous le pensez. Je l'expliquerai dans une vidéo dédiée. Donc pour l'instant, je laisse ceci de côté. Par contre, je rejoins François Boulot sur le fait que cette histoire de voile, si on regarde, si on analyse historiquement par rapport au précédent gouvernement, président, etc., quand est-ce que cette histoire de voile prend place dans les médias comme ça, c'est toujours pour essayer de cacher d'autres problématiques auxquelles fait face le gouvernement. Donc c'est effectivement l'expression qu'utilise François Boulot est très bonne, quoi. C'est, on agite le voile rouge, le chiffon rouge, pour essayer de détourner l'attention. Moi, personnellement, sur cette question de voile, peut-être que je ferai une vidéo dédiée, mais c'est vraiment un sujet qui me saoule à chaque fois qu'il revient comme ça. Soit on a voté des lois et on applique ces lois, soit ces lois posent problème par rapport à une opinion publique majoritaire auprès de nos concitoyens, et donc on réévalue la loi, on revote, on fait quelque chose par rapport à ce sujet. Mais il faut arrêter de le laisser comme ça en outil, en moyen de faire diversion pour les politiques sur les vrais sujets fondamentaux que sont effectivement les sujets sociaux, les sujets de démocratie, le sujet de pouvoir d'achat, j'aime pas trop cette expression, mais en tout cas le sujet de pouvoir vivre pour nos compatriotes, quelle que soit leur confession, de mon point de vue, même leur origine, etc. Donc voilà ce que je voulais dire simplement sur cette histoire de voile. Je trouve que c'est pas une histoire très intéressante, ou alors si elle est problématique, pourquoi pas faisons un référendum, faisons des tables rondes de citoyens et essayons de dégager un consensus et pour apporter une solution à cette histoire de voile, qu'on arrête d'en parler. Je note simplement, pour avoir vécu dans d'autres pays comme par exemple l'Angleterre, que cette histoire de voile ou de foulard pour la religion sikh ne pose pas problème, et moi au contraire ça me faisait sourire. Ça me plaisait, même si je dois utiliser ce mot-là, de voir des policiers avec leur barbe enturbanée, ou de voir des préposés de l'État avec leur signe religieux comme ça. Je trouve que c'est une diversité. Il faut que ça soit bien intégré, évidemment, mais c'est une diversité culturelle qui est, je trouve, intéressante. Je comprends que c'est pas forcément partagé par tous mes concitoyens, mais s'il y a une majorité pour dire que c'est pas un problème, eh bien, c'est la majorité qui doit l'emporter. Mais je pense quand même qu'il faut traiter réellement ces questions-là, même si elles sont, de mon point de vue, disons, anecdotiques par rapport à d'autres véritables questions. Voilà ce que je voulais dire simplement sur ce sujet. Continuons l'interview. Alors, j'aimerais revenir sur un passage en particulier, car là, il me semble qu'on touche au cœur du problème. Je vous cite. « Par réflexe de classe, chacune des personnes appartenant à ce que l'on appelle le bloc bourgeois s'applique à défendre l'ordre établi uniquement par peur d'un changement de nature à porter préjudice à ses intérêts personnels. Difficile, voire impossible, de s'avouer que ses opinions politiques sont exclusivement dictées par l'égoïsme. » Mais il se trouve que c'est ce bloc bourgeois qui détient le pouvoir. Comment comptez-vous renverser le système ? Alors avant d'écouter la réponse de François Boulot, je tiens à dire que je suis absolument d'accord avec cette définition et cette description du bloc bourgeois qui s'est émancipé, qui s'est détaché comme ça du reste de la population. Je l'ai vécu personnellement dans ma famille, malheureusement. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, c'est un sujet très sensible et je ne veux pas avoir des problèmes parce que ces gens-là ont du pouvoir, mais je le traiterai éventuellement, ça ne me fait pas peur de les affronter. Quoi qu'il en soit, je partage complètement cette analyse, cette description dans le livre « La ligne jaune » de François Boulot, de la réalité de ce bloc bourgeois qui s'est détaché et qui ne veut pas changer parce qu'il a peur en réalité de perdre. Je pense que, en réalité, tous autant que nous sommes, bloc bourgeois inclus et le reste de la population, nous sommes maintenus
par une la pression de la peur de perdre le peu qu'on a, la peur de la précarité, etc. Et si je mettais ma casquette de complotiste, je ne l'ai pas auprès de moi. Mais je pense que ceci est fait exprès, d'une façon ou d'une autre. Donc ça marche sur nous, la classe moyenne ou la classe prolétaire. Moi, je suis un peu entre les deux. Et donc, on a peur que l'immigré vienne nous prendre notre travail ou qu'il y ait un rachat de notre entreprise par une autre multinationale et qu'on soit mis à la porte, etc. Donc, on s'attache au peu qu'on a et on est comme ça constamment dans la peur et on a peur un peu de réclamer plus que ça. On veut simplement avoir le peu qu'on a. Mais on voit quand même que ça bouge, notamment grâce aux Gilets jaunes. Et encore une fois, je leur témoigne tout mon soutien et mes remerciements pour, comme ça, être le peuple qui se soulève. Et il faut continuer. Mais je pense que le bloc bourgeois n'est pas non plus à l'abri de cette peur-là. Et comme le dit très justement François Boulot, le bloc bourgeois aussi a peur de perdre. Bien sûr, le bloc bourgeois a beaucoup plus que le reste de la population, et peut-être moins que les 1% qui sont au-dessus d'eux, mais n'empêche qu'eux aussi ont peur de perdre leur statut, leur privilège. Je pense qu'ils savent que ceci est très instable et très mouvant, et donc ils préfèrent ce statu quo qui, moralement, même s'ils ne veulent pas se l'avouer, ne leur convient pas, parce que c'est laisser se dégrader la vie de nombre de concitoyens. Mais tant pis, ils sont dans un monde de survie, comme le reste, comme la plupart d'entre nous. Et donc, ils préfèrent garder ce statu quo plutôt que risquer de se battre pour un idéal, pour autre chose, puisqu'ils sont à la fois amenés à penser qu'un idéal n'est pas possible, ou je ne sais pas quoi, que c'est de l'utopie, et amenés à penser que eh bien, le système actuel leur donne satisfaction au niveau social, ils ont ce statut social, au niveau matériel, matérialiste même. Mais c'est une erreur de leur part, et je reprends cette idée de bloc bourgeois, mais quand même je fais une petite différence, parce que dans les bourgeois, il y en a qui ne sont pas, d'ailleurs François Boulot fait partie de cette classe bourgeoise, mais voilà, il y en a qui sont quand même critiques et qui sont quand même à même d'analyser, de faire leur autocritique sur la réalité de la lutte des classes et sur la réalité de ce qu'il faudrait faire, en tout cas dépasser ce statu quo. Maintenant, écoutons la réponse de François Boulot. En fait, vous avez 75% de la population aujourd'hui qui voudrait un changement, plus ou moins radical, de politique. Et puis, vous avez en revanche les 20-25%, le bloc bourgeois, qui sont plutôt les gagnants des règles du jeu et qui donc n'ont pas envie d'un changement. Et je pense effectivement que ces gens sont profondément motivés par l'égoïsme, c'est-à-dire qu'ils ne votent pas pour l'intérêt général de la patrie, ils votent pour que les règles surtout ne changent pas, parce qu'ils considèrent en être les gagnants. Bon, je pense que déjà ils se trompent. Oui, je voulais rajouter que c'est ce que je dénonce dans mon triptyque de vidéos sur le libéralisme, qui est en fait un mot qui sert à cacher l'égoïsme. L'égoïsme notamment de cette classe bourgeoise dont il est question dans l'interview. Donc voilà, je renvoie une nouvelle fois à ce triptyque de vidéos sur le libéralisme. Le libéralisme, c'est effectivement la liberté, mais la liberté pour tous, pas simplement pour un bloc bourgeois ou pour une élite quelle qu'elle soit. Donc les gens qui se disent libéraux ou même néolibéraux, terme qui a été employé par François Boulot à un moment donné au début de l'interview, je le réfute, ce sont des anti-libéraux ou des néo-anti-libéraux si on veut, mais ça n'a rien à voir avec les bases historiques et philosophiques du libéralisme. Même si moi je ne suis pas libéral, je suis post-libéral, je l'ai expliqué dans la vidéo sur le post-libéralisme que je vous invite à regarder. Et donc voilà, il s'agit bien ici, et François Boulot le dit, d'égoïsme, d'accord ? Ils utilisent le mot de libéralisme, de liberté, mais en fait pour leur liberté à eux, indépendamment de la liberté des autres. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'égoïsme. Donc, ce ne sont pas des libéraux, ce ne sont pas des néolibéraux, etc. Ce sont bien des égoïstes, et je suis content de voir que, a priori, c'est ce que François Boulot dit, en tout cas pour ceux qui se disent libéraux. Peut-être il y a une petite divergence sur les néolibéraux, mais je pense pas véritablement, simplement il faut bien nommer les choses. Donc au lieu d'expliquer « je dis néolibéraux » et pas libéraux pour faire la différence, mais en fait même néolibéraux, ça laisse entendre qu'ils sont attachés à la liberté alors que c'est pas vrai, etc. Ça serait beaucoup trop long et compliqué, donc on résume. Je pense que
ne pas trahir ou comprendre en tout cas la pensée de François Boulot quand il n'utilise pas le mot de libéral, mais le mot de néolibéral pour essayer de le différencier de cette image qu'on a de la liberté. Ce ne sont pas des gens qui défendent la liberté, ce sont des gens qui défendent leur intérêt propre, individuel, et donc ce sont des égoïstes. Continuons l'interview. Je pense que Emmanuel Macron mène une politique pour les 1% de la population et qu'en réalité 99% de la population aurait intérêt à un changement de la politique. J'attire l'attention sur le fait que la dynamique est à la paupérisation de l'ensemble des classes. Ça a commencé par les classes populaires, puis les classes moyennes, on va dire depuis une dizaine d'années, puis maintenant même les classes moyennes supérieures sont touchées. Alors voilà, un peu plus tard donc, dans l'interview, François Boulot le dit, en réalité même le bloc bourgeois contribuant à ce statu quo, est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, parce qu'il pense être le grand gagnant de la mondialisation, etc. Mais non, cette politique, la logique de la politique qui est menée, est une logique autodestructrice en réalité. Et y compris même des gens qui sont tout à haut, les 1% dont parle François Boulot, enfin dont on a entendu parler. Parce que si l'ensemble de la population, la majorité de la population en tout cas, ne vit pas dans des conditions acceptables, il y aura nécessairement, et j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, un changement, une révolution, peu importe le nom qu'on lui donne et comment ça va se passer, mais ça n'est pas possible de garder en l'état ce statu quo sur la base d'une paupérisation ou d'un appauvrissement toujours plus grand, parce qu'il y aura forcément une réaction de survie, de vouloir s'en sortir, et donc les 1%, déjà, ils ne pourront pas baser leur économie sur une masse qui ne peut pas s'acheter les choses, etc. Et qui donc nécessairement se révoltera. Donc, le bloc bourgeois, et c'est ce que François Boulot dit, et je suis tout à fait d'accord, en fait, n'a pas encore compris qu'il pense voter pour son intérêt, en votant pour des gens comme Emmanuel Macron ou la droite classique, alors qu'en fait, il vote contre son intérêt même propre. Ou alors c'est vraiment une frange supérieure de ce bloc bourgeois qui continuera à en profiter, mais en réalité, les unes après les autres, les différentes strates de la société, en partant des prolétaires, puis de la classe moyenne, et puis tout bientôt, tout prochainement, des différentes strates du bloc bourgeois, on va tous être les victimes de cette politique. Donc c'est ce que dénonce, je pense, François Boulot, et je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça qu'il faut essayer notamment de travailler auprès de ce bloc bourgeois dans ses branches les plus autocritiques, les plus à même d'utiliser leur libre arbitre, pour leur faire comprendre que leur intérêt n'est pas dans ce statu quo, et leur intérêt est dans le fait de rejoindre l'immense partie de la population pour un véritable changement, un changement évidemment démocratique et social. Continuons l'interview. Qu'il faut essayer d'aller derrière à chaque fois les étiquettes, comprendre le contenu, les idées, essayer de nuancer pour que chacun puisse voter de manière éclairée. Parce que si on veut une démocratie, les préalables, c'est quand même l'éducation des gens, c'est-à-dire qu'ils aient un esprit critique et puis avoir une information complète pour qu'ils puissent exprimer un choix éclairé. C'est ça, être dans une démocratie. Et force est de constater malheureusement que dans la plupart des médias aujourd'hui, on joue plutôt sur le sensationnel et l'émotion plutôt que sur la raison et l'intelligence. Sur cette histoire de démocratie, encore une fois, je partage 100% l'analyse et la prise de parole de François Boulot. Voilà, donc, premièrement, nous ne sommes pas dans une démocratie, je vous renvoie à mes triptyques sur la démocratie. Mais deuxièmement, si nous voulons une démocratie, comme vient de dire François Boulot, il faut nous éduquer les uns les autres. Et c'est humblement, certainement avec des défauts, ce que j'essaye de faire sur cette chaîne YouTube, participer à mon petit niveau à une éducation populaire, ou à, en tout cas, si ceci est prétentieux, à apporter des éléments de réflexion pour que vous-même puissiez faire vos propres analyses. Je ne dis pas de prendre pour argent comptant ce que je partage, les analyses que je fais. Évidemment, je pense qu'elles sont pertinentes, sinon je ne les partagerai pas, mais vous êtes bienvenus pour les critiquer, et ça peut faire évoluer ma propre pensée. Voilà, je pense qu'il est important que, collectivement et individuellement, nous nous éduquions les uns les autres. Moi-même, je lis des articles, j'écoute des interviews, etc. Et c'est une façon de s'éduquer. Je comprends bien qu'on est occupé dans nos vies et que quand on a du temps libre, on veut pouvoir se délasser parce que la vie
comme ça on est sous pression permanente, etc. Mais malgré tout, il faut essayer de trouver du temps pour son éducation. Peut-être essayer de regarder un peu moins, je ne sais pas, hein, de séries américaines sur Netflix ou je ne sais pas quoi, et de consacrer peut-être une demi-heure, ne serait-ce que ça, à peut-être un peu de lecture politique ou philosophique ou ce genre de choses, quelque chose d'abordable. Peut-être d'ailleurs le bouquin qui a été écrit de façon très très courte par François Boulot, pardon, pour justement être accessible et puis pour partager un certain nombre d'idées, d'analyses, etc., à même de nous amener nous-mêmes individuellement à réfléchir et à nous responsabiliser. Mais responsabiliser, ça a l'air d'être un grand mot qui peut faire peur, mais c'est simplement analyser sur qu'est-ce que, à notre échelle, on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à notre échelle et qui demanderait de mutualiser nos efforts. C'est un peu ce dont je parle dans ma vidéo sur l'autodétermination. Je pense que voilà, pour se responsabiliser, pour devenir des adultes politiques et même une humanité mature, pour le dire autrement, il faut en passer par l'éducation. Et quand je parle d'éducation, je ne parle pas nécessairement de l'éducation scolaire. Ça en fait partie, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais une éducation individuelle, un peu, qu'est-ce que c'est déjà le terme ? D'autodidacte, voilà. Il faut faire un travail d'autodidacte, parce que ce sont des informations qui existent de façon perséminée. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a beaucoup de livres. Et si c'est difficile, justement, pléthore d'informations qui nous bombardent, qui nous sont bombardées comme ça, pardon, eh bien, essayons de dégager des gens comme François Boulot, qui est un parfait exemple, qui permettent comme ça d'apporter, j'espère, des éléments d'éducation populaire à même de nous émanciper nous-mêmes. Et à mon humble niveau, à un tout autre niveau que François Boulot, évidemment, c'est ce que j'essaye aussi de faire sur cette chaîne. On continue l'interview. Alors, la ligne jaune, hein, c'est le titre de votre essai. C'est aussi le nom d'une plateforme sur le web. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est la ligne jaune sur le web ? Oui, bien sûr. En fait, on a créé une plateforme donc sur le web pour essayer de mettre en réseau l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes, en tout cas tous ceux qui veulent se joindre à cette initiative, pour essayer de l'organiser, de le structurer et à terme de pouvoir avoir un message clair. La ligne jaune, elle s'inscrit comme un courant du mouvement des Gilets jaunes, mais elle a vocation à s'ouvrir à l'ensemble des citoyens qui veulent se politiser et participer à un changement de la politique dans notre pays. On a une deuxième version beaucoup plus ergonomique qui va sortir très très prochainement. Et puis à terme, on a même le projet de développer une application de vote qui sera une espèce de référendum d'initiative citoyenne numérique. Sur cette histoire, cette initiative de ligne jaune, je pense que c'est tout à fait pertinent. Je suis très intéressé. Je suis impatient de voir la nouvelle version plus ergonomique qui nous est promis. Je pense qu'il faut utiliser tous les moyens, dont la ligne jaune, mais d'autres moyens, peut-être comme les ateliers constituants, même des mouvements ou partis politiques, militer dedans quand on a de la sympathie, ou c'est pas une question de sympathie, mais quand on a les mêmes valeurs, les mêmes intérêts avec ces différents mouvements ou partis politiques, pourquoi pas. Je pense qu'il faut vraiment, et il faut continuer aussi les manifestations les samedis. Moi j'appelle, comme je pense François Boulot et d'autres, à des grèves générales, reconductibles, etc. Je pense qu'il y en a qui sont annoncées prochainement. Il faut soutenir ces mouvements-là. Mais il faut, ce que je veux dire, c'est qu'il faut utiliser tous les moyens possibles, une diversification des moyens. Alors, on pourrait peut-être penser, mais alors c'est une dilution des forces. Mais non, parce que tout en participant à la ligne jaune, en apportant des commentaires, en apportant une contribution, on peut aussi manifester les samedis, on peut aussi faire partie d'un mouvement ou d'un parti politique, on peut aussi de temps en temps participer à des ateliers constituants, qui me semble une initiative très intéressante. Voilà, on peut faire différentes choses. On n'a pas énormément de temps, donc on peut se concentrer sur un ou deux trucs. Je ne dis pas qu'il faut utiliser tous ces moyens-là, mais plus il y a de moyens de s'exprimer, de s'éduquer, de participer à ce mouvement de changement qui est en train de se former, et plus on rajoute de la force à ces différentes initiatives, et on ne sait pas par où on va pouvoir
casser ce statu quo et le dépasser. Donc il faut vraiment, un peu comme l'eau, on a entendu pour le mouvement à Hong Kong, be water, donc être l'eau, hein, c'était un peu le précepte de Bruce Lee, donc l'eau qui peut s'infiltrer de partout, et donc voilà, il faut vraiment avoir cette image d'une eau qui ruisselle et qui passe par tout un tas de chemins différents, et puis pour finir, se rassembler et devenir l'océan. Donc voilà, on ne sait pas par où, peut-être qu'il y a des poches d'eau qui vont rester bloquées, et puis il y a d'autres petits ruisseaux qui vont continuer à pouvoir couler pour pouvoir former au final l'océan, donc cette révolution. Donc cette image, elle est pertinente. Il faut utiliser tous les moyens que nous avons, et la ligne jaune me semble un moyen parmi d'autres qui est un moyen pertinent, et j'ai hâte de voir un peu comment il se développe. Mais je vous invite les uns et les autres à vous engager dans les moyens locaux, les moyens qui sont auprès de vous, ou les moyens qui sont facilement accessibles quand vous avez Internet, a priori c'est le cas si vous regardez cette vidéo, comme la ligne jaune. Donc voilà, je trouve que l'initiative est très intéressante et je souhaite à titre personnel y participer et je vous invite aussi à le faire. Continuons pour la fin de l'interview. Alors pour conclure, qu'attendez-vous du 16 novembre et des 1 an du mouvement ? Bah écoutez, je pense que le 16 et le 17 novembre, symboliquement, beaucoup de personnes vont se mobiliser pour montrer que les gilets jaunes sont toujours là. Après, je pense qu'il y a une date assez déterminante qui est celle du 5 décembre, parce que plusieurs organisations syndicales ont appelé à la grève, mais surtout, c'est les secteurs des transports qui partent a priori pour une grève illimitée. C'est le cas de la RATP, de la SNCF et des transports routiers. Bon. Moi, je pense que si on veut que ces secteurs stratégiques, parce qu'ils peuvent paralyser l'économie du pays, poursuivent la lutte et s'engagent véritablement dans un processus qui serait prêt à durer 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, il va falloir leur montrer un soutien le plus massif possible. Et donc, moi, j'appelle de mes voeux que tous ceux qui ont une bonne raison d'être en colère contre Emmanuel Macron, et a priori, c'est tout le monde avec la question de la réforme des retraites, parce que Emmanuel Macron nous dit que c'est une réforme qui serait plus juste, mais en réalité, tout le monde va s'appauvrir. Donc, tout le monde l'a compris. Donc, j'espère que l'ensemble des foyers aujourd'hui de contestation qu'on a vu hein, ces dernières semaines, avec les avocats, les personnels soignants, les pompiers, les enseignants, etc., etc., j'espère que tout le monde va se mobiliser, gilets jaunes ou pas, en fait, que tous les citoyens vont venir en appui des secteurs qui seront en grève. Et je crois que si ça prend, on a là une chance véritablement de briser le quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que si on arrive à le stopper dans sa réforme des retraites, alors il ne pourra plus rien passer, à mon avis, d'ici la fin du quinquennat. Donc sur la dernière partie de l'interview, effectivement, il était question de grève générale. Alors pareillement, je pense que la grève générale, le nombre, le très grand nombre, et c'est ce que je disais dans les précédentes vidéos, c'est la solution pour éviter notamment la violence. Et le pouvoir s'est radicalisé depuis au moins Nicolas Sarkozy. Et il n'entend rien. Il n'entend pas les manifestations des Gilets jaunes, ni du secteur hospitalier, ni des pompiers, ni de la police, etc. Enfin, il fait semblant d'entendre, il donne un peu par-ci par-là, mais voilà, il continue sur sa politique de destruction du modèle social français. Donc, il faut utiliser des outils en conséquence de cette radicalisation, d'accord ? Peut-être faut-il aussi nous-mêmes nous radicaliser, mais en tout cas, sans parler de ça, parce que ça peut effrayer quelques-uns, mais qu'est-ce que ça veut dire se radicaliser ? Moi, je ne suis pas un radical, etc. Se radicaliser, c'est simplement avoir une réponse, de mon point de vue, là en l'occurrence, proportionnée à la problématique. D'accord ? Donc, puisque le pouvoir s'est radicalisé, il fait preuve de violence, a été dit dans l'interview, d'arrestation arbitraire et tout à fait illégale, etc. Voilà, on en est arrivé avec le pouvoir d'Emmanuel Macron à des extrémités auxquelles on n'aurait pas pu penser il y a encore peut-être 10 ans en arrière, même après avoir connu Nicolas Sarkozy, quoi. Je fais comme si c'était le pire, désolé. Mais voilà, là, en tout cas, oui, Macron, c'est le pire président qu'on ait jamais eu, en tout cas dans l'histoire moderne, de façon sûre et certaine, de mon point de vue, évidemment. Et donc, il faut apporter des réponses en proportion à l'attaque que les Français subissent. Et donc, la grève générale, reconductible, illimitée, je sais que c'est pas évident, mais comment faire autrement, d'accord ? Il faut appuyer là où ça fait mal, là où ce pouvoir
peut encore entendre. Et donc, c'est la question économique. Il se fiche complètement du social, se fiche complètement des manifestations. Il apporte une réponse brutale, ça a été dit par François Boulot dans l'interview. Et donc, il faut appuyer sur l'économie. Il faut appuyer sur la seule chose qu'il comprenne, c'est l'argent, c'est le profit, c'est le ronronnement de l'économie. Donc, si on arrive à mettre mettre un bâton dans cette roue de l'économie et qu'on la freine, voire qu'on la stoppe momentanément, là, ça touche les intérêts des gens qui sont derrière la marionnette Emmanuel Macron, d'accord, qui fait son travail avec beaucoup de zèle et qui partage évidemment l'idéologie de ceux qui le manipulent. Évidemment, ça marche beaucoup mieux comme ça. Mais voilà, c'est uniquement en touchant les intérêts directs de ces marionnettistes derrière Macron, qu'ils seront obligés, je l'espère, c'est pas une évidence et peut-être qu'il faudra en arriver à un affrontement, je l'espère pas. En tout cas, dans une première étape, il faut véritablement, après avoir essayé et continuer d'imposer les manifestations sociales des Gilets jaunes et de tous ceux qui voudront bien, d'ailleurs il y a plein d'autres corps comme les pompiers, ça a été dit dans l'interview, qui voudront bien se joindre au fait de manifester, d'utiliser ce moyen démocratique, ce moyen qui nous est encore plus ou moins autorisé, même s'il est de plus en plus rendu difficile. Il faut utiliser ce moyen de la manifestation, mais je pense qu'il ne faut plus tarder maintenant, et il faut comprendre que la grève générale dans les secteurs économiques clés, que sont par exemple le transport, l'énergie, etc., soit utilisée, et soit, comme le dit François Boulot, et je suis tout à fait d'accord avec lui, soutenu, massivement soutenu, et soutenu, c'est pas simplement en répondant sur des sondages, je suis favorable à ce mouvement, et c'est important aussi de montrer d'obliger les médias de masse à dire qu'il y a effectivement un soutien massif, mais je pense que eux aussi sont arrivés à un tel niveau de radicalisation qu'ils, s'il faut, ils n'en parleront pas du tout. Donc, oui, il faut répondre favorablement à des sondages, mais il faut aussi, dans la mesure du possible, participer. Je sais que c'est facile c'est facile pour moi de dire ça puisque je suis au Japon, donc je suis loin de tout, et donc je donne comme ça des consignes. Mais véritablement, si j'avais la possibilité de rentrer en France, ne serait-ce que pour participer à quelques manifestations ou complètement de rentrer en France pour pouvoir participer pleinement à ces grèves, à ces manifestations, véritablement, je le ferai. Et j'en appelle donc, je suis loin, je ne peux pas faire autre chose que ce que je fais ici devant la caméra. Mais j'en appelle véritablement à, pour tous ceux pour qui c'est possible, rejoindre les manifestations et rejoindre les grèves en apportant même simplement des victuailles et un soutien physique, visible, populaire aux manifestations, même si, pas seulement aux manifestations, mais aux grèves, aux piquets de grève comme ça, même si on n'a pas tous la possibilité de pouvoir participer physiquement pendant un temps long sur ces piquets de grève, mais ne serait-ce qu'apporter ponctuellement un soutien comme ça par des boissons chaudes, par une parole, etc. Voilà, ça c'est très important. C'est, je pense, le moyen le plus efficace d'ici aux prochaines élections d'essayer, je ne sais pas si on peut briser le quinquennat Macron, ça je pense que c'est peut-être beaucoup espéré, mais en tout cas c'est le but qu'il faut se fixer, mais en tout cas véritablement montrer et montrer notamment à la population elle-même, à nous montrer à nous-mêmes qu'on est encore capable, que nous sommes ceux en réalité qui avons le pouvoir si par le nombre, parce que c'est ça notre force, c'est le nombre, si par le nombre nous décidons des actions telles que des piquets de grève, telles que voilà, des grèves générales sur des points stratégiques qui montreront à cette élite qui a ces 1% ou ce bloc bourgeois ou je ne sais pas quoi, qu'en fait ils sont en minorité et que sans nous, ça ne marche pas et leur pouvoir peut être balayé et peut vaciller du jour au lendemain si nous prenons conscience de notre force qui est le nombre et du fait que nous sommes ceux qui font tourner ou pas l'économie. Voilà, sur ces paroles va s'arrêter cette vidéo qui est certainement déjà trop longue. Merci de l'avoir écouté. Vos commentaires sont les bienvenus. Je réitère mon soutien aux Gilets jaunes et aux futures grèves générales ou ponctuelles de certains secteurs et effectivement à celles qui existent déjà dans le milieu de l'hôpital, de la santé, dans le milieu de l'éducation, dans le milieu des pompiers, dans tous les milieux.
etc. Et une fois de plus, je renouvelle toute ma sympathie et mon soutien à François Boulot et à son initiative de la ligne jeune, la sienne et celle qui et celles et ceux qui sont autour de lui pour la faire exister. Je souhaiterais y participer le plus tôt possible et de la meilleure façon possible. Continuons la lutte et comme d'habitude, je termine cette vidéo par le triptyque républicain: liberté, égalité, fraternité. Vive la France !